après ces longs mois d'absence, elle est enfin réparée et elle a retrouvé sa place sur mon bureau. Mais sois en crainte, ma petite montre adorée. Cette vitrine blindée te protégera de gadgets. Oui, mon colonel, lieutenant Gadget au rapport, mon colonel. Mais ne vous en faites pas, mon colonel, je l'ai. Gogo Gadget au bras. Vous devriez tout de même être plus prudent. Vous avez bien failli casser cette très jolie petite vitrine. Mais je m'en fiche complètement de la vitrine. C'est à cette montre que je tiens particulièrement. C'est une authentique Bolex Rajma de 1883. Figurez-vous qu'elle m'a été offerte par le sultan Rajma II, le grand en personne, à l'époque où je commandais dans la Légion. C'est une pièce de collection. Elle aussi, ça alors, quelle coïncidence. Bon, plus vite je vous aurai expliqué quelle est votre mission, plus vite vous déguerpirez de mon bureau. On va y vendre un concours dans lequel le docteur Gang serait impliqué. Et dont l'objet est de trouver l'animal le plus nauséabond du monde. La gadget, le docteur Gang renoncerait au crime. Franchement, ça m'étonnerait. Votre mission est de découvrir ce que manigance encore le docteur Gang. À vos ordres, mon colonel. Considérez que c'est chose faite. Mais quelque chose me chiffonne. Gogo, gadgeto, montre atomique. C'est bien ce que je craignais. Votre montre retarde. C'est certainement dû à sa chute. Mais je vais réparer ça en moins de deux. Et Gogo Gadgeto, la dernière d'horlogerie. Ne touchez pas à ma Bolex Rajma de 1883. Allons, faites-moi confiance. Je suis d'une délicatesse sans pareil quand il s'agit de montres. Mais je n'en ai que pour une petite seconde. Voilà, elle est comme neuve. Et grâce au tout dernier mouvement d'horlogerie mis au point par Womp, elle ne retardera plus jamais. Oh, bon, ça va pour cette fois. Mais surtout, ne touchez plus à rien. Plus jamais. Maintenant, dehors. Eh bien, mon colonel, je me dépêche. Quoi? Tiens, où ai-je bien pu mettre ce micro-détonateur avec retardateur incorporé? Des frites au piment. Si j'ai accepté de vous installer ces appareils digestifs expérimentaux, c'est pour une seule raison. Au cas où votre source primaire d'énergie serait désactivée, l'électricité produite par la décomposition des enzymes vous permettra de tenir le coup. Ouais, peu importe. Amène-nous ton gratin au thon. Fidget, tu veux te calmer un peu? Ces estomacs sont très économiques. On va d'abord les tester avec des brocolis. Eh, mais on n'est pas censé détester les brocolis. C'est bon. Ouais, peut-être, mais j'aimerais bien savoir combien il y a de volts dans une pizza napolitaine sans anchois. En route, messieurs, la chasse est ouverte. Ne vous en faites pas, je continuerai à tout contrôler à distance. Gilbert, au rapport. En qualité de comptable, je n'ai pas de très bonnes nouvelles. Je suis sûr que je ne vous apprends évidemment rien que vous ne sachiez déjà, mais le coût de la vie est de plus en plus élevé, surtout dans votre branche, puisqu'il faut compter avec les poutres, hein, les dessous de table, etc. Sans parler de votre argent de poche qui est assez conséquent. Ça suffit! William! Excellent! Monsieur, votre nouveau plan pour augmenter votre capital se déroule à la perfection et le concours de l'animal le plus nauséabond du monde sera prêt dans les temps et les dépenses engagées sont pile dans votre budget. Oh, c'est parfait! Une pizza à l'ail avec double ration de master. Un vrai régal. C'est bien joli de grignoter en route, mon vieux Fidget. Mais fais quand même attention à ce que tu manges. Sophie nous a prévenu. Ses estomacs sont encore expérimentaux. Oh, c'est moi, on a jamais vu ça. C'est le thème de ces 100 cours. Je n'ai jamais vu un aussi gros chèque. Enfin, si, une fois. La vache, un million d'euros. Maintenant, je comprends mieux pourquoi le docteur Gang s'intéresse à ce concours. Un million d'euros, c'est rien du tout pour le docteur Gang. Tout ça cache forcément quelque chose de louche. Fidget, Digit, surveillez bien oncle Gadget. Ça ne me plaît pas du tout. Inquiète pas, Sophie, on va rester collé à lui comme du miel sur une tartine beurrée.
D'ailleurs, en parlant de ça... Quoi? Tu penses encore à manger? Tu ne peux pas penser à autre chose 5 minutes? Oh que si, à une sieste. Après 3 pizzas et une bonne sieste, je serai en pleine forme. Nous ne devrions pas avoir trop de mal à renifler la présence d'un agent de BAD. Mais bien sûr, c'est le déguisement parfait pour un agent de BAD. Mais il est absolument impossible d'imiter l'odeur d'une couche sale. Nom de gadget. Madame, je tiens à vous informer que ce concours est strictement réservé aux animaux. Mais à quoi vous jouez, vous? Ce n'est pas le bébé qui participe. Madame est venue inscrire sa chèvre Biquette. William, au rapport, tout se déroule exactement selon le plan. Je n'ai qu'un incident mineur à signaler avec l'un des journalistes. Je vois, apparemment cet homme vous pose un problème. Que voulez-vous que je fasse dans ce cas? Éliminez-le immédiatement! Mesdames, messieurs et animaux malodorants, soyez les bienvenus au concours qui désignera l'animal le plus nauséabond du monde. Je suis votre animateur, William Jovial. Dès que vous aurez fini d'applaudir, je vous conseille de vous boucher le nez. Et ce soir, j'aurai l'immense honneur de remettre au vainqueur un chèque d'une valeur d'1 million d'euros. Monsieur Jovial, c'est la femme de chambre. Ouais. Hein? Tout d'abord, je vais l'endormir. Et ensuite, adios, mon cher gadget. Mon frère me dit que ce déguisement de cochon a la taille idéale pour dissimuler un agent de BAD, messieurs. Il a pourtant l'air d'un vrai cochon, mon lieutenant. Justement, agent Digit, il a l'air trop vrai pour être vrai. Allez, vous rien, pas les masques. Mais cette fois, je vais l'avoir. Oh, quel horreur, j'en peste. Mais quelle affreuse brimade. Mad? Vous avez bien dit Mad? Laissez-moi vous regarder de plus près. Go-go Gadgeto, touche. Au secours, maman. Et maintenant, Go-go Gadgeto soufflerie l'air chaud. Non. Je n'y vois plus rien et j'en peste. J'exige qu'on appelle tout de suite mon agent. Ah, vous avez bien dit agent. Mais c'était quoi cette pommade? Ah, vous voilà prêt à faire des aveux. Parfait. Et Go-go Gadgeto, Magneto numérique. Le cochon s'est vautré là-dedans. Oh là là, je crois que je vais vomir. Dans mes yeux. Je ne veux plus rien entendre, taisez-vous. Un jour de bain, il est plus que temps de tout avouer. Vous projetiez de vous enfuir avec le million d'euros. Messieurs, arrêtez-les. Mais c'est dégoûtant, tu peux pas te tenir.
Je crois que nos estomacs sont en train de produire trop d'énergie de secours. On est en surchauffe. On sent affreusement mauvais. En faisant un mélange de toutes les odeurs de ces animaux nauséabonds, nous avons réussi à créer la pire puanteur qui soit au monde. Mais alors, ça veut dire que nous sommes les gagnants du concours? Attendez, ces horribles relents ne viennent pas de nous. Ils viennent de cela. Et Gogo Gadgetto, pince-nez anti-odeur. Monsieur Jovial, nous avons trouvé les vainqueurs. Les vainqueurs? Ah bon? Mais qui c'est? Bingo! C'est exactement ce que je soupçonnais. William Jovial est un agent de MAD. Docteur Gong, voici comment va se dérouler l'opération boule puante. Le gagnant du concours de l'animal le plus nauséabond du monde sera écrasé exactement comme cet oignon. Le concentré de mauvaise odeur ainsi obtenu sera ensuite versé dans une bombe. Cette bombe sera lancée dans l'espace et explosera en répandant sur la planète tout entière la puanteur la plus épouvantable qui soit. Et parallèlement, nos chimistes ont synthétisé le seul et unique antidote. Un sérum qui rendra son utilisateur insensible à l'épouvantable odeur dégagée par la bombe. Et comme Mad sera l'unique possesseur de ce fameux antidote, inutile de vous dire que nous ferons une véritable fortune quand nous le lancerons sur le marché. C'est vraiment répugnant. Et en plus, il y a une autre bonne nouvelle. Quel que soit l'animal gagnant, grâce à nous, il n'empestera plus jamais notre belle planète. C'est épouvantable! Le gagnant sera écrabouillé! Il faut à tout prix interrompre le concours! Mesdames et messieurs, notre sympathique jury vient d'élire à l'unanimité les deux créatures les plus nauséabondes du monde! Et c'est à vous qui en êtes l'heureux propriétaire que j'ai la joie de remettre ce chèque d'1 million d'euros! Luna Gadget, ça tombe bien, je voulais justement m'acheter une nouvelle télé. Il reste une dernière petite formalité à accomplir. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Oh, mais avec joie. Gogo Gadgetto, stylo à plume. C'est parfait, chers amis spectateurs et participants. Je vous remercie de votre chaleureuse présence. Oh, j'oubliais, il n'y aura pas de deuxième représentation. Quant à vous, là, les deux bestioles malodorantes, vous venez avec moi. Eh bien, au revoir, messieurs. Non, ne pleurez pas. Je ne pleure pas. Mais c'est votre haleine qui me pique les yeux. Quand j'en aurai terminé avec eux, il n'en restera plus qu'une goutte ou deux. Te voilà, Sophie. Tu t'es dépêchée de venir quand tu as appris que les Gadgetini avaient gagné. Quoi? Ils ont gagné le concours? Mm-hmm. Mais comment ça se fait? Tu ne les avais même pas inscrits. Et c'est sans doute à cause de ce qu'ils ont mangé. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais où ils sont? Et William les a emmenés. Oh non! Cette fois, on est dans le pétrin. Tu as raison. Un chèque de cette taille ne rentrera jamais dans le guichet automatique. Mais regarde, le chèque, il n'est même pas signé. Oh. Je suis sûr que c'est un oubli. C'est très facile d'y remédier. Le seul petit problème, c'est que je ne sais pas où trouver William. Ne t'en fais pas, oncle Gadget. Moi, je sais où il se cache. Allons, venez. Ah. C'est l'heure de votre récompense, messieurs les gagnants. Oh, encore un dernier petit test et nous serons prêts à commencer. Tu as vu ce que j'ai vu? Ils ont broyé ce coffre-fort en acier et tout. Tout ce qu'il en reste, c'est du jus. Et vous êtes les suivants. On va fabriquer du concentré de Gadgetini. On n'a même pas droit au dernier repas du condamné. Ça vous dirait une orange pressée? Ah non. Beaucoup trop acide. Sauf erreur de ma part, ils ne sont plus très loin.
Non, ta gadget. Pas de doute possible, je les sors d'ici. C'est très gentil à vous de tenir compagnie à ma nièce. Je reviens tout de suite, Sophie. Ça ne prendra qu'une seconde de faire signer mon chèque à William. Ça va, d'accord, on y va, y a pas le feu. Fidget, Digit. Oh non. Excusez-moi, mon brave. Savez-vous où je peux trouver William? Emparez-vous de lui! Oh, une escorte! Merci beaucoup! Docteur Gang, il semble que nous ayons un léger problème. Le compte à rebours pour le lancement de la bombe a commencé, mais Gadget est ici! Croyez-le, lui aussi! Vous voulez que je vous concocte un concentré de gadgets au jus de gadgetini? Oui, et c'est avec ce cocktail que je fêterai ma victoire. Oh, je commence à me sentir un peu à l'étroit là-dedans. Et si vous pouviez simplement signer ceci, je suis plutôt pressé. Je regrette, je n'ai pas de stylo sur moi. Mais je suis sûr que ces messieurs en ont un, eux. Oh, ne vous dérangez pas, j'ai le mien. Et Gogo Gadget au stylo à plumes. Oh, désolé. Et Gogo Gadget au buvard. Oh, attrapez-le. Oh là, et vous avez fait tomber le chèque. Je le rattrape. Oh. Au revoir, Gadget. Et Gogo Gadget au cocktail. C'est pas grave, on n'aura qu'à fabriquer une nouvelle bombe puante, c'est tout. Oui, les affaires reprendront comme avant. Je peux arranger ça. Gadget, encore tout gâché. Arrêtez, je me rends. Et moi aussi. Bravo, oncle Gadget. Tu as déjoué le plan du docteur Gang. Peut-être, Sophie, mais je n'ai pas réussi à faire signer ce chèque. En tout cas, une chose est sûre, ce n'était pas un chèque en bois. Vous pouvez être très fier de l'exploit accompli par le lieutenant Gadget. Cette espèce d'empoté se débrouille toujours pour qu'on lui jette des fleurs. Des fleurs? Excellente idée. Faites-lui livrer une gerbe de rose sur le champ. Vous faites trop d'efforts. Ce n'est pas raisonnable. Vous devriez vous ménager, mon colonel. Tenez, laissez-moi vous aider. Non, 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 non. Je vous assure, ce n'est pas la peine. Oh, mais ça ne me dérange pas du tout, mon colonel. Et Gogo Gadget au chalumeau. Mais qu'est-ce que vous faites? Non! Et comme ça, vous vous déplacerez plus facilement. Merci, mais qu'est-ce que c'est? Gadget? Non.
Je vois que vous maîtrisez parfaitement votre nouveau fauteuil rouge. Je vous laisse à présent. Au revoir.